Effectivement, jamais le dialogue social au Maroc n'a connu un tel blocage. Et quand je dis dialogue, bien sûr, c'est le dialogue social, n'a connu un tel blocage pendant cette période. Nous, en tant qu'UMT, nous croyons beaucoup dans les vertus du dialogue social, dans la négociation, pour d'abord la paix et la stabilité des relations professionnelles, pour augmenter les capacités des entreprises, la production, la productivité. Or, ce gouvernement, depuis son installation, les quelques séances, je ne dirais pas de dialogue, mais les quelques séances qualifiées de réunion, c'est plutôt des séances à caractère général. C'est des rencontres formelles, vides de sens. Et ne peut pas, avec l'UMT en tout cas, nous dicter quoi que. C'est plutôt des séances, comme je l'ai toujours dit, de bavardage, sans ordre du jour et sans contenu et sans objectif. Or, il est regrettable de constater aujourd'hui que ce gouvernement a détruit 12 ans de relations sociales que nous avions construites avec quatre premiers ministres, avec le gouvernement El-Filali, Youssefi, Jeto et Besfessi. C'était des relations professionnelles basées sur le dialogue, la négociation, et on a pu débloquer des dossiers très importants dans la vie de notre pays. Le code du travail, qui était bloqué pendant 25 ans, il a été adopté d'une façon consensuelle, aussi bien par le patronat que par les syndicats que par le gouvernement. L'AMO, le code de la couverture médicale, que je tiens ici à confirmer que ce sont les partenaires sociaux, sous le gouvernement Jeto, qu'on avait monté. Et quand je dis AMO, c'est à couverture médicale et RAMED. Donc ce sont des textes consensuels, le texte sur les accidents de travail et surtout la résolution pacifique des conflits. Maintenant, le dialogue social est au point mort par la faute du gouvernement. Pire encore, il veut faire passer de force des textes d'une importance capitale. C'est des dossiers à caractère sociétal, tels que le dossier de la retraite, et sans concertation. Nous allons plutôt combattre ce dossier passé par le gouvernement d'une façon unilatérale. Surtout les plans, nous l'avons combattu sur le terrain. Nous avions organisé le mardi 12 une première, un grand sitting des directions syndicales en face du Parlement. Notre groupe parlementaire a également protester, mais alors d'une façon énergique lors de la séance mensuelle des questions orales devant le chef du gouvernement. La lutte continue et on ne laissera pas ce gouvernement détruire les relations sociales dans notre pays. J'ai assisté aux festivités du 70e anniversaire de la création de la grande UGTT, Union Générale des Travailleurs Tunisiens, et la remise officielle aux militants de l'UGTT du prix Nobel de la paix obtenu par cette centrale syndicale sœur. J'ai été agréablement surpris, mais en même temps avec amertume, comment l'UTK, qui est l'organisation patronale, et l'UGTT avaient justement hier conclu un accord d'augmentation sur le salaire, d'amélioration des conditions du travail. Et bien sûr, comment les relations professionnelles tripartites entre gouvernement, syndicats et employeurs ont été
stimuler, améliorer. Et nous pensons même faire des propositions concrètes à nos partenaires à la CGEM face à la carence du gouvernement.